Priez de bien vouloir mettre vos téléphones en mode silence. Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Monsieur Sidi Tiémoko Touré, Monsieur le ministre de l'Artisanat, Monsieur Sidi Kikonaté, Monsieur le maire de la commune de Cocody, qui nous reçoit ce jour, Monsieur Jean-Marc Yassé, nous nous retrouvons aujourd'hui à l'hôtel communal de Cocody dans le cadre de nos conférences de presse quotidiennes à l'effet de porter l'information à nos populations sur la pandémie que notre pays traverse depuis le 11 mars 2020. Aujourd'hui, notre conférence de presse aura deux grandes articulations, à savoir les interventions et ensuite la phase des questions. Pour débuter, nous allons appeler au pupitre le maire de Cocody, Monsieur Jean-Marc Yassé, pour son intervention. Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, Monsieur Sidi, Monsieur le ministre de l'Artisanat, honorable Sikonaté, chers amis de la presse, mesdames, messieurs les conseillers, les adjoints au maire, conseillers municipaux, mesdames et messieurs, je voudrais au nom d'abord du conseil municipal de la commune de Cocody souhaiter la cordiale bienvenue à nos membres du gouvernement et leur dire merci pour ce point de presse gouvernementale sur le COVID-19. Emboîtant le pas au Conseil national de sécurité, le Conseil municipal et moi-même avons initié une série de mesures pour freiner la propagation du coronavirus dans notre commune. Permettez-moi d'énumérer quelques points. Plan de lutte contre la pandémie, les actions menées par la mairie de Cocody depuis les arrêtés du Conseil national de sécurité. Les campagnes de sensibilisation ont commencé depuis le 13 mars avec des caravanes dans les quartiers, les panneaux routiers, des rencontres avec les populations de Cocody. Nous avons aussi eu des réunions extraordinaires avec le Conseil municipal pour lutter contre la crise sanitaire. Par la même occasion, nous avons mis en place une cellule de crise avec la collaboration de plusieurs médecins au niveau de Cocody, mais aussi avec la Croix-Rouge, dont les numéros de la crise, de la cellule de crise sont les suivants, le 47 78 00 00 et le 70 80 80 80 que nous allons vous communiquer ultérieurement. Des prises de mesures restrictives à la désinfection, au lavage d'abord de tous les marchés de Cocody, pour pouvoir les assainir et les désinfecter, ont été mises en place depuis le 16. Et aussi le conseil pour pouvoir accompagner les administrés et commerçants de Cocody, en fonction de ce qui avait été dit par le Conseil national de sécurité et que le conseil municipal a sorti comme arrêté, demandant à tout administré et commerçant de bien vouloir, s'ils n'ont rien à faire chez eux, et ceux qui ne sont pas dans le secteur pharmaceutique, dans le secteur médical ou dans le secteur alimentaire, de bien vouloir fermer et de rester chez eux afin de briser cette chaîne de transmission du virus en restant confinés. Pour cela, le Conseil a pris des mesures et nous avons allégé nos administrés de la commune de Cocody pour le mois d'avril en enlevant des taxes et des loyers. Suite aux actions aussi de la lutte contre le COVID-19, nous avons renforcé les mesures barrières, amplifié les sensibilisations, demandé aux administrés de respecter les mesures barrières, c'est-à-dire la distance,
minimum 1 mètre, le lavage des mains obligatoire qui se fait de façon permanente dans toute entrée des établissements ou des magasins ou des marchés, ou alors le gel hydroalcoolique qui permet de tuer le virus, et je conseille quand même toujours à nos administrés d'aller laver les mains après avec le savon. Et en vue de préparer cette sortie de crise, nous sommes en train de mettre en place avec le conseil municipal une cellule pour pouvoir sensibiliser encore plus nos administrés, en leur disant que certes, le Covid-19 est une maladie, mais n'est pas une maladie honteuse. Toute personne peut la prendre de façon inattendue. Donc nous demandons d'être compréhensifs et de pouvoir aider les gens du service, les gens du corps médical plutôt, et tous ceux qui, par malheur, seront frappés par cette pandémie. Donc nous demandons aux gens de respecter les mesures mises en place par le gouvernement. Il y a l'avant-Covid, pendant le Covid, et il y a sûrement l'après-Covid, où nous demandons à tout un chacun de garder les mesures. Et pour cela, nous devons être, messieurs, mesdames et messieurs, faire preuve de plus de civisme, et les précarités de certains habitants de la commune de Cocody. Mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que le conseil municipal de Cocody et moi-même, pour clore nos propos, vous transmettre vraiment notre amitié, mais surtout vous demander de respecter les mesures mises en place par le gouvernement dans l'espérance d'un lendemain radieux, paisible pour notre pays, parce qu'ils auront vaincu ce Covid-19 et que tous les Ivoiriens pourront sereinement vaquer à leurs occupations sans peur ni crainte de pouvoir se retrouver et de faire nos accolades quotidiennes, ou alors nous serons obligés de changer nos communications. Merci, que le Seigneur nous bénisse. Merci, Monsieur le maire Jean-Marc Yassé, maire de la commune de Cocody. Pour rappel, vous pouvez le constater, le point de presse quotidien qui se tenait à l'accoutumée au ministère de la Sécurité se tient aujourd'hui à l'hôtel communal de Cocody. Cette démarche est à l'effet de se rapprocher davantage des populations, à l'effet d'avoir le sentiment des populations, mais aussi à l'effet de donner mieux l'information aux administrés des différentes municipalités du grand district d'Abidjan. Donc, sans plus tarder, à la suite du maire de Cocody, nous aurons l'intervention du ministre de l'Artisanat et ensuite l'intervention du représentant du ministre de la Santé et enfin l'intervention du représentant du ministre de la Sécurité. Donc, maintenant, nous allons accueillir le ministre de l'Artisanat, M. Sidiki Konaté. Je voudrais d'entrée saluer mon collègue, le ministre de la Communication, qui, dans le cadre de sa stratégie de communication, va aujourd'hui dans les communes. Et c'est une bonne opportunité pour le gouvernement de l'accompagner auprès donc de nos populations dans les différentes communes, ce qui rapproche donc nos informations, nos actions des populations vivant donc dans ces différentes communes. Je voudrais saluer M. le maire, mon très cher frère. Et puis, ici, nous sommes dans le cadre de nos activités au niveau du ministère de l'Artisanat. Nous sommes ici pour pouvoir vous donner quelques informations sur certaines actions du ministère. Vous savez tous que le gouvernement de Côte d'Ivoire est aux côtés des populations dans la gestion donc de cette crise, de cette épreuve mondiale. Et tous les secteurs socio-économiques sont éprouvés par cette pandémie. Bien plus
Le secteur de l'artisanat, de par sa fragilité, est l'un des secteurs les plus éprouvés par cette pandémie. Des activités entières du secteur de l'artisanat sont à l'arrêt. Je pense que le maire est ici et qu'il vive un peu de recettes municipales. Il sait très bien que dans sa commune, les salons de coiffure, des petits restaurants, maquis et autres, et bien d'autres activités liées au secteur de l'artisanat ne marchent plus. Ces entreprises sont à l'arrêt, ce qui augmente donc le risque de pauvreté au niveau et des tenants de ces entreprises, mais surtout de ceux qui y travaillent. C'est donc une grande fragilité dans le secteur. J'ai parlé de la restauration, j'ai parlé aussi, bien entendu, des métiers de la beauté. Les salons d'esthétique, les salons de coiffure, quelques ateliers de couture et même bien d'autres entreprises que je ne peux évoquer ici. Tout de même, nous sommes engagés dans une bataille pour stopper la propagation du coronavirus. Le gouvernement a annoncé une batterie de mesures et il était question donc que nous puissions mobiliser les acteurs du secteur de l'artisanat dans cette bataille. Et dans le cadre donc de la lutte contre la progression du virus, le ministère de l'artisanat, en rapport avec les différentes chambres de métiers régionales et au niveau des communes et des départements, a lancé une vaste opération de sensibilisation des artisans, parce qu'en réalité, ils sont les plus exposés. Je vous ai pris, par exemple, le cas des salons de coiffure. Je vous ai pris d'autres exemples ici, les restaurateurs et autres. D'abord, ceux qui vont dans ces lieux sont donc exposés, mais ceux qui travaillent aussi, bien sûr, dans ces endroits sont exposés. Donc la fragilité est très, très, très visible. Et donc nous avons ministère de l'artisanat, chambre de métiers, association donc des artisans, nous nous sommes donné la main pour lancer l'opération de sensibilisation. Nous-mêmes, nous avons été sur le terrain, dans certains quartiers d'Abidjan, et je pense que, comme tous les Ivoiriens, les artisans ont joué leur rôle. Ils ont essayé plus ou moins de s'adapter aux mesures donc, de protection. Et je voudrais ici vraiment lancer mes remerciements pour la réussite de ces différentes opérations de sensibilisation. Bien entendu, nous continuons de sensibiliser. Nous continuons de sensibiliser. Toujours dans le secteur de l'artisanat, j'ai tantôt évoqué la question donc économique. Vous savez que dans le cadre du plan de soutien économique, social et humanitaire du gouvernement, qui a un coût de 1 700 milliards, en vue d'apporter un soutien économique aux entreprises et un soutien humanitaire aux populations, dans ce plan, le secteur de l'artisanat a été bien pris en compte. Je voudrais donc informer les artisans qui ont été tout à l'heure indiqués comme de grosses victimes aussi de cette pandémie que le gouvernement a bel et bien pensé à eux. Et plusieurs fonds ont été mis en place. Je peux vous assurer que les artisans se retrouvent représentés dans tous ces fonds et sont en tout cas visés aussi par tous ces fonds. Vous avez le fonds de la solidarité, dont le programme a commencé, qui distribue vivres et non-vivres. Et nous avons donc déjà remis au ministère de la solidarité la liste d'artisans affectés donc, par cette pandémie et qui ont besoin de cette alimentation. Ça, c'est une des premières actions. Comment nous avons procédé? Je vous ai dit que le ministère a des directions et travaille donc avec la Chambre des métiers, qui est une structure sous tutelle,
et la Chambre des métiers est composée des organisations professionnelles des artisans dans chaque commune, dans chaque département, dans chaque région. Si nous prenons la commune de Cocody, les artisans, par exemple, qui sont dans une branche de textile, ont une organisation professionnelle, donc se connaissent. Ceux qui sont dans les lavages de véhicules sont associés, ont une organisation, se connaissent. Ceux qui sont au niveau des salons de coiffure et des esthéticiens, ils ont une organisation. Ils sont affiliés à la Chambre. Donc la Chambre passe par eux pour pouvoir donc atteindre les entreprises dans tel ou tel secteur. C'est ce qui nous a permis de remonter les informations et c'est comme ça que nous allons remonter toutes les informations afin qu'aucune entreprise qui doit nécessairement avoir l'aide du gouvernement n'échappe à cette aide. Ça, c'est en tout cas une assurance que nous donnons aux entreprises du secteur de par notre structuration. Et donc, nous sommes aussi au niveau du fonds des PME. Et là, ce fonds doit être aussi opérationnel, mais déjà nous avons commencé à travailler. Les chambres de métiers, en rapport avec les organisations professionnelles, et même nous allons aller plus loin avec les maires des communes, parce que les maires perçoivent souvent des taxes de la part d'entreprises qui sont dans leur secteur, et donc les maires connaissent les entreprises, savent quelles sont les entreprises qui sont affectées. Et pour être encore plus concret, quand je prends par exemple les restaurateurs, que je viens voir la Chambre des métiers de la région de Cocody, cette Chambre des métiers, en rapport avec la mairie, est capable de nous dire quels sont les maquis qui sont affectés ici à Cocody. Parce que le maire connaît sa commune et donc il est à mesure de nous donner des informations sur les restaurants, les petits restaurants, qui ont donc des soucis ici et qui doivent pouvoir être soutenus. Voilà comment nous allons procéder à l'opérationnalisation du fonds en ce qui concerne le ministère de l'Artisanat. Parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que ces fonds puissent arriver au niveau des cibles. Et déjà, nous avons l'architecture nécessaire pour pouvoir y arriver. Enfin, au niveau des dispositions, j'ai parlé des dispositions pratiques opérationnelles pour vous rassurer que les artisans pourront donc bénéficier de ces différents fonds en fonction donc des différentes difficultés que tel ou tel secteur ou telle entreprise connaît. Le ministère donc reste leur interlocuteur, les chambres de métiers restent leurs interlocuteurs et leurs différentes organisations professionnelles dans les villes, dans les régions restent aussi leurs interlocuteurs pour pouvoir nous faire remonter les informations qui vont nous permettre de constituer des dossiers que nous allons défendre parce que, je le dis encore, le ministère de l'Artisanat est présent dans tous les comités de gestion de ces différents fonds, ou tout au moins dans les différents secrétariats de gestion de ces fonds. Et nous sommes là donc pour porter les dossiers de nos artisans afin qu'ils puissent bénéficier de cette aide importante du gouvernement de Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire, sans forme d'autosuffisance, que lorsque nous regardons les plateformes d'aide à l'artisanat dans la sous-région et même ailleurs, l'un des systèmes, les artisans ont été pris en compte ici, je peux dire, de façon soutenue. Donc, il revient aux artisans de savoir que des fonds existent, sont disponibles, de se rapprocher donc de leurs différentes organisations professionnelles, de se rapprocher des différentes chambres de métiers pour que les dossiers puissent nous parvenir afin que personne ne soit oublié. Parce que l'objectif du gouvernement, c'est de faire en sorte que ces fonds puissent effectivement aider à soutenir le redécollage de notre économie et les artisans font bel et bien partie de notre économie. Enfin, au niveau de la production des masques, il est bon que je puisse donner quelques informations. Vous savez que tel que nous avançons, et vous le voyez aussi au niveau de tous les pays, le port du masque sera obligatoire. Ça a déjà été affirmé. Pour le moment, peut-être compte tenu de l'insuffisance des masques, on n'a pas encore commencé à faire le contrôle dans les rues.
Mais je pense qu'avec toutes les bonnes nouvelles que nous venons de recevoir du ministère de la Santé, chaque jour vous voyez de la logistique venir de l'extérieur, le gouvernement de Côte d'Ivoire travaille à assurer la disponibilité des masques pour tous et gratuitement. Ça a été dit par le monsieur le Premier ministre lors de sa conférence de presse. En plus donc des commandes qui doivent venir de l'extérieur, l'industrie textile locale a été sollicitée. L'industrie textile locale a été sollicitée. Et de ce point de vue encore, les artisans de la branche du textile, c'est-à-dire les couturiers, qui sont déjà actifs, et je voudrais leur rendre hommage, parce que beaucoup d'entre nous ont vu soudainement que les populations se sont appropriées les masques, mais ce n'étaient pas des masques venus de l'extérieur. Dans chaque quartier, dans chaque commune, les couturiers qui ont fait preuve de génie ont commencé déjà à élaborer des masques. Mais comme nous voulons être dans la logique de respecter des normes, le ministère donc de l'artisanat, en rapport avec les chambres de métiers et les associations des couturiers, a lancé un grand programme. Ce programme vise à faire en sorte que dans chaque commune, dans chaque ville, les artisans qui sont dans le secteur du textile, les couturiers, puissent se mettre en association. Lorsqu'ils vont se mettre en association, pour ceux qui veulent faire des masques, bien sûr, nous allons les aider à aller faire certifier ce travail. Parce que les masques, ce n'est pas seulement des masques simples, ça doit obéir à des mesures de sécurité. Donc, il y a une société qui est en charge des normes, Codinorm, je crois, qui doit pouvoir donner un agrément à ces associations. Parce que lorsque ces associations vont présenter leurs produits, cette société est à même de voir si le produit est bien, répond aux normes de sécurité, avant d'en commander pour une production massive. Et de ce point de vue, après, si l'agrément est obtenu, nous allons donc présenter aux autorités, à l'État de Côte d'Ivoire, ces produits, afin que l'État, qui fait déjà des commandes pour l'extérieur, puisse bien entendu commander ces masques ici. Celui-ci a un double avantage de prendre notre argent, donc de le consommer sur place et de faire redémarrer l'outil de production et surtout faire appel au génie aussi créateur de nos couturiers qui, je peux le dire, n'ont rien à envier aujourd'hui aux autres couturiers du monde et chacun le sait que nous avons des grands noms ici. Mais nous demandons donc encore une fois à tous les couturiers qui ont des projets dans ce sens de s'unir, de se mettre en association, de se rapprocher du ministère ou de la chambre de métier pour que nous puissions les aider à rencontrer les services du ministère de la Santé qui sont en charge donc de codifier, de normaliser leur création. Une fois ces normes admises, donc s'ensuit des agréments et nous allons donc présenter cet agrément à l'État de Côte d'Ivoire pour que l'État puisse effectivement soutenir la production de masques au niveau local, au niveau régional et au niveau national. Ce que j'ai dit n'est pas seulement valable pour Abidjan, c'est valable pour toute la Côte d'Ivoire. Donc, à travers vous, je voudrais que les artisans sachent qu'ils sont attendus. Le pays les appelle, le pays a besoin d'eux. Le pays attend d'eux leur contribution. Et je pense que pour ces centaines et des centaines de millions de masques qui vont être commandés, notre vœu est que 70% même puissent être produits par des artisans de Côte d'Ivoire, et c'est possible. Mais c'est la voie à suivre que je viens de vous montrer. Pour cela donc, nous voudrons, pour terminer, saluer encore ces artisans, demander donc toujours d'être disciplinés, de respecter les normes, de faire confiance aux mesures du gouvernement, surtout de ne pas se sentir oublié. Le ministre de l'Artisanat est bel et bien engagé dans tous les processus et je pense que les artisans de Côte d'Ivoire peuvent être fiers qu'ils sont valablement défendus
dans tous les programmes du gouvernement. Je vous remercie. C'était M. Sidiki Konaté, ministre de l'Artisanat. À ce stade de notre conférence de presse, nous allons appeler au pupitre Mme Edith Kouassi, représentante du ministère de la Santé, pour le point sanitaire quotidien. Monsieur le ministre, monsieur le maire de la commune de Cocody, monsieur le commissaire principal, mesdames et messieurs en vos rangs, grades et qualités, mesdames et messieurs de la presse, le point de la maladie à COVID-19 du 23 avril 2020. 952, c'est le nombre total cumulé des personnes diagnostiquées positives au COVID-19 à la date d'hier, 22 avril 2020, c'est-à-dire un mois et demi ou 45 jours après l'identification du premier cas positif dû au COVID-19 dans notre pays. Également, 310 personnes au total ont été déclarées guéries parmi toutes les personnes testées positives au COVID-19 et 14 cas de décès enregistrés. En effet, la journée d'hier a été marquée par 36 nouveaux cas confirmés au COVID-19 sur 342 échantillons analysés. 7 nouvelles guérisons de sujets dépistés positifs au COVID-19 et un nouveau cas de décès lié à cette pandémie. La différence entre le nombre total de cas positifs, le nombre total de guéris et les décès constitue le nombre de malades encore en traitement ou en observation où on attend des résultats de tests de contrôle attestant ou non de la guérison, soit environ 628 à la date d'hier. Tout en présentant ses condoléances aux familles endeuillées, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le docteur Eugène Akawele, voudrait saluer la mémoire d'un de ses agents décédé dans la nuit du 21 au 22 avril 2020 suite à un accident de la voie publique dans l'exercice de ses fonctions et dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Il était venu déposer les échantillons à l'UNHP et retournant sur sa base dans le district sanitaire d'Agouville, il a eu un accident et il est décédé des suites de cet accident. Pour revenir aux données de la pandémie, elles montrent bien l'évolution toujours croissante du nombre total de cas dépistés positifs au COVID-19 en Côte d'Ivoire et le fort potentiel de circulation du virus. Il ressort donc de l'analyse des résultats que la phase ascendante de la pandémie se poursuit toujours. Le renforcement des capacités de dépistage en cours nous permettront d'apprécier le dynamisme de cette pandémie dans notre pays. Il est donc urgent de poursuivre les efforts pour endiguer ce fléau dans notre pays, la Côte d'Ivoire, et la participation de tous est une exigence au succès véritable de cette lutte contre le COVID-19. Par ailleurs, au stade actuel de l'évolution de l'épidémie chez nous et le contexte dans lequel elle survient, nous rappelons l'efficacité des mesures barrières et son utilisation comme arme puissante pour freiner la propagation du virus. D'abord dans le Grand Abidjan, épicentre de la maladie, en la contenant dans ses limites, mais également à l'intérieur du pays. N'oublions pas que ces districts sanitaires à l'intérieur du pays sont touchés avec 7% des cas. Nous devons donc user de tous les moyens, chacun à son niveau, pour préserver l'intérieur du pays. Au niveau d'Abidjan, dans les districts sanitaires les plus touchés demeurent toujours Cocody, Bergerville, avec le plus de cas dans la commune de Cocody, suivi de Makori, Trècheville, avec le plus de cas dans la commune de Makori. Ces deux districts sanitaires cumulent au moins 50% des cas du Grand Abidjan. Ils sont suivis du district sanitaire d'Ayamé Plateau, puis de la commune de Yopougon. Cependant, aucun district sanitaire à Abidjan n'est épargné. Et le risque de voir les cas augmenter aussi dans les autres communes est réel, vu le niveau d'appropriation des mesures barrières recommandées, ainsi que le non-respect systématique des mesures sécuritaires mises en place, comme en témoigne le point sécuritaire
journalier qui est fait par le représentant. Il y a un lien entre ces deux mesures. Dans la mesure où le respect des mesures sécuritaires impacte positivement sur la situation sanitaire en réduisant le risque de propagation de la maladie. Il en est de même pour certaines mesures telles que la fermeture de certains endroits confinés ou à forte fréquentation, tels les lieux de culte, les écoles, les universités, les salles de cinéma, de sport, les maquis, les bars, les boîtes de nuit, etc. Nous rappelons que le dispositif sanitaire pour la prise en charge des cas liés au COVID-19 se renforce de plus en plus et sera opérationnel dans l'ensemble d'ici fin avril 2020 dans le Grand Abidjan, sans oublier l'intérieur du pays. Il s'agit du centre d'appel, des équipes d'intervention rapide qui existent dans chaque district sanitaire. Le district sanitaire de Cocody-Bengerville qui nous accueille, et particulièrement la commune de Cocody, en compte au moins 5 fonctionnels pour le moment, dont un à Cocody Centre et Golf, un à Angré, un aux deux plateaux, un à la Palmeraie et à la Riviera. Je n'ai pas d'équipe, hein. Une équipe, au centre d'accueil COVID-19 à Cocody, à l'espace Saint-Jean de Cocody, qui est le site de prélèvement. Et il y en a également une équipe à Bengerville, pour le district sanitaire de Cocody-Bengerville. Étant entendu qu'un district sanitaire peut avoir plusieurs départements communes dans son aire sanitaire. Ces équipes, une fois alertées, sont chargées d'investiguer les cas et faire les prélèvements. Nous en avons au moins 15 à 20 en moyenne par jour. Et les acheminer à l'INHP, qui recueille tous les échantillons et les achemine à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, pour analyse par des équipes dédiées à cette tâche. Pour les sujets positifs, selon le mode de prise en charge à domicile ou dans les structures dédiées, les équipes médicalisées du SAMU dédiées au COVID-19 procèdent au transfert vers les sites appropriés. Les constats, les cas contacts sont suivis par une équipe traceur ou équipe de suivi de contact pendant 14 jours, soit à domicile, soit à l'INJS, qui est le lieu indiqué pour les sujets contacts. Le transfert des cas contacts vers l'INJS se fait par un service de transport dédié organisé avec la SOTRA. Il y a également des sites de prélèvement de proximité, dont 13 sur 45 sont prévus à Abidjan, à raison de un site par commune. Celui de Cocody est fonctionnel depuis quelques jours. Il s'agit d'un site de prélèvement et non de prise en charge de cas. Les cas suspects au COVID-19 ou les signes évocateurs de la maladie y sont reçus. Aussi, le circuit du candidat au dépistage est le suivant. Une fois sur place, un tri est fait au poste de prélèvement selon les critères définis. Les non-éligibles également sont conseillés, informés, pris en charge, si possible, et orientés. Les personnes éligibles au prélèvement au dépistage sont prélevées, sensibilisées également et orientées par la suite. Les résultats ne sont pas disponibles in situ. Pour les sujets dépistés positifs au coronavirus, ils sont informés de leur statut et la procédure en cours se déroule. Ce site comprend, le site de prélèvement de Cocody, je voudrais dire, comprend des médecins, dont un médecin coordonnateur, des infirmiers, des biologistes, un pharmacien pour l'accueil, les informations sur le COVID, l'enregistrement des données pour l'identification des sujets éligibles au prélèvement ou pour autres prises en charge. Des sites de prise en charge des sujets contacts à l'INGS pour la quarantaine existent dans le dispositif. Les cas positifs éventuels qui auront été déclarés et diagnostiqués sur ce site sont référés vers la structure dédiée de prise en charge, le VITIB ou le SMIT, service des maladies infectieuses selon le statut du malade. À ce jour, 7 sujets parmi les sujets contacts ont été dépistés positifs au COVID et référés au VITIB pour une prise en charge adéquate. Également, existe des sites de prise en charge selon le tableau clinique, soit au VITIB pour les cas légers ou au SMIT, ou d'autres sites de prise en charge qui sont en cours. Les personnes
présentant des signes évocateurs au COVID-19 sont les personnes suspectes pour ceux qui ont fait le dépistage, comme j'ai dit, et une fois que c'est fait, ils sont orientés en fonction de leur statut. À Cocody également existera un site de prise en charge qui est sur le site de CHU de Cocody. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique voudrait rappeler ceci. Le COVID-19 est dangereux et très contagieux. Il peut être mortel. Les numéros gratuits suivants sont à joindre pour être orientés devant toute préoccupation ou signe faisant évoquer le COVID-19, tels que la fièvre, accompagnée de maux de tête, de courbatures, de toux, de difficultés respiratoires ou d'essoufflement. Il s'agit du 143, du 125, du 119 et du 101. Les mesures barrières sont les seules efficaces dans le contexte actuel pour freiner la propagation du virus dans notre pays. Adoptons-les. Il s'agit de limiter nos déplacements pour réduire le risque d'exposition au COVID-19 et sa propagation. Il s'agit de pratiquer la distanciation sociale. Il s'agit de se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon. Il s'agit d'utiliser les gels ou solutions hydroalcooliques. Il s'agit de tousser ou d'éternuer dans un mouchoir en papier jetable ou à défaut dans le pli du coude. Il s'agit du port du masque en général et en particulier de manière obligatoire dans le grand Abidjan épicentre de la maladie, de la pandémie en Côte d'Ivoire. Il s'agit de rester confiné chez soi pour les personnes âgées ou vulnérables. Enfin, je voudrais terminer en souhaitant un bon ramadan anticipé à tous nos frères et sœurs musulmans du monde entier, en particulier de Côte d'Ivoire. Que Allah, le Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, nous fasse grâce et nous aide dans ce combat que nous menons contre cette pandémie. Je vous remercie. Nous venons d'entendre le docteur Edith Kouassi, conseiller technique au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. À présent, pour le point quotidien sécuritaire, nous recevons le porte-parole de la police, le commissaire Bleu Charlemagne. Bien, merci, cher ami, Excellence, Monsieur le ministre de l'Artisanat, Monsieur le représentant du ministre de la Communication, Monsieur le maire de la commune de Cocody. Ah, le ministre lui-même est là. Ah, on est tellement masqués que on va enlever les masques. Bien. Je m'excuse donc, Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, nous sommes à ce jour, 23 avril donc 2020, premier jour du deuxième mois de la mise en œuvre donc des mesures relatives à l'état d'urgence. À ce jour, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, au plan national, au chapitre des interpellés, nous avons 42 individus interpellés pour violation du couvre-feu à Abidjan 3, à l'intérieur 39. Au chapitre des personnes assistées, dans le cadre de nos actions civilo-militaires, 37, Abidjan 23, intérieur 14, dont 25 pour urgence sanitaire et 12 pour assistance à entreprise et autres véhicules en panne. Au chapitre des engins mis en fourrière, nous notons 3, Abidjan 0, intérieur 03 moto. Les corps enlevés suite à mort naturelle, je tiens à le préciser,
04, Abidjan 4, Yopougon, Trècheville, Adjamé Village et Makori, intérieur 0. Toutes choses qui nous donnent comme point global à ce jour, interpellés au plan national pour violation de couvre-feu, 934, Abidjan 97, intérieur 837. Au niveau des assistances à personnes dans le besoin, au plan national, 520, Abidjan 327, intérieur 193. Au niveau des engins mis en fourrière, 318 au total, Abidjan 94, intérieur 224. Au niveau donc des corps enlevés, pour mort naturelle, je le répète, Abidjan, donc 83 au total, Abidjan 75, intérieur 08. Il est également bon que nous vous indiquions que dans le cadre donc de la mise en œuvre de l'état d'urgence et des instructions du gouvernement, il a plu au ministre de la Sécurité et au ministre de la Défense d'instruire nos forces opérationnelles à l'effet de la sensibilisation au port du masque dans le Grand Abidjan. Du 19 donc au 22, donc hier, au niveau des véhicules sensibilisés sur l'ensemble du territoire du Grand Abidjan avec inclusion donc de Adzopé, 5758 véhicules sensibilisés, dont 48 bus, soit une moyenne de 1500 environ par jour. Les masques distribués, 1715 masques distribués aux usagers et autres chauffeurs qui n'en avaient pas. Au niveau des passagers débarqués, 597 débarqués parce que justement installés sur des sièges. Au niveau donc des véhicules de transport en surnombre, le ministre du Transport, depuis le 14 avril, a donc pris un arrêté pour indiquer le chargement à ne pas dépasser par type de véhicule. Donc, si vous êtes en surcharge, on vous descend tout simplement. Véhicules mis en fourrière, sinon verbalisés à cette occasion, 11, dont un autobus. Au regard de ce point, au nom de messieurs les ministres en charge de la sécurité et de la protection civile et celui en charge de la défense, je voudrais vous indiquer que la sensibilisation, mais également la répression, se poursuivent sur le terrain par nos forces à l'endroit de tout citoyen dont les faits, gestes, attitudes et velléités sont attentatoires aux mesures sanitaires, sécuritaires, gouvernementales en vigueur, notamment le reconditionnement et la vente des masques usagés dans les rues, l'ouverture et la fréquentation des maquis, bars, restaurants et autres débits de boissons, le contournement ou sa tentative des points de contrôle aux sorties du Grand Abidjan, l'organisation de manifestations festives et ou funéraires, la pratique du sport collectif. À ce stade donc de mon propos et au nom donc de tous les hauts commandements, je voudrais ici traduire la reconnaissance donc à nos forces, les encouragements de la hiérarchie, à tous les agents des forces de l'ordre en action depuis le 16 mars jusqu'à ce jour, solidaires dans la discipline, chers frères d'armes, nous y arriverons. Je vous remercie.
Merci, mon commissaire. Messieurs les ministres, monsieur le maire, nous arrivons au terme de nos interventions. Nous allons débuter à présent la série des questions. Messieurs les ministres, monsieur le maire, la particularité de notre conférence de ce jour, c'est que nous sommes en visioconférence, comme instruit par le gouvernement de privilégier ce mode de travail. Donc nous avons aujourd'hui des journalistes dans la salle, mais pour réduire les effectifs, nous avons aussi des journalistes en visioconférence, donc sur l'écran que vous voyez ici. Donc, mesdames, messieurs les journalistes, nous allons débuter par une série de 5 questions. Nous avons le ministre de la Communication, le ministre de l'Artisanat, le maire de Cocody, le représentant du ministre de la Sécurité et le représentant du ministre de la Santé. Donc, toutes ces personnalités sont à votre écoute. Le micro au fond, s'il vous plaît. Je suis Benjamin Bassolé de l'agence ivoirienne de presse AIP. Alors ma question s'adresse au maire de Cocody. Monsieur le maire, Cocody fait partie des communes qui caracolent en tête des cas confirmés par rapport au Covid. La population n'est toute pas indifférente face à cette situation. Il y a la psychose de part et d'autre. Alors vous, en tant que maire, quel est le message que vous portez à l'endroit de la population pour la rassurer et quelles sont les mesures que vous prenez pour davantage, n'est-ce pas, amener la population à comprendre qu'il faut respecter les mesures barrières, il ne faut pas baigner dans l'inquiétude. Alors qu'est-ce que vous dites à la population globalement pour la rassurer? Bonsoir, Mahamat Traoré de RTI 1. La première question s'adresse à... Bon, elle va dans le même sens que celle de mon confrère, mais je voudrais demander au maire de la commune de Cocody comment est-ce qu'il explique que sa commune soit fortement touchée par cette pandémie-là. La deuxième question s'adresse à monsieur le ministre de l'Artisanat. Monsieur le ministre, vous avez annoncé des mesures pour les artisans de Côte d'Ivoire. Mais concrètement, est-ce qu'il existe un plan chiffré de soutien économique au secteur de l'artisanat? Ça, c'est la question à monsieur. Maintenant, la question à madame, une question à monsieur le ministre de la Communication. Comment comprendre, je sais que vous n'avez pas pris la parole, mais comment comprendre ce nouveau format qu'on donne à ce point de presse? Et puis éventuellement, pour les prochaines fois, est-ce qu'il ne serait pas bien de tenir compte des mesures prises d'ailleurs par le gouvernement concernant le nombre de personnes qui assistent au nombre à ces points de presse. Dernière question à madame Edith Kouassi du ministère de la Santé. Alors le Ramadan ce sera soit pour demain ou samedi. Le Ramadan, le début du Ramadan, vous avez parlé du Ramadan en fin de propos. Est-ce que pour les jeûneurs, il y a des risques d'être plus vulnérables à cette maladie parce que sur une certaine période, on ne s'alimente pas, on ne boit pas. Est-ce que cette disposition physique-là ne fait pas que les jeûneurs sont plus vulnérables à la maladie? Je voudrais que vous donniez quelques éléments de réponse sur ce point-là. Merci bien. Bonsoir, messieurs, dames. Je suis Pinto Yao de CNews FM. La première question s'adresse à monsieur le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Alors, monsieur le ministre, à l'issue du Conseil des ministres d'hier, vous avez tenu des propos, notamment concernant une aide qui serait allouée à une frange de la population. Alors, depuis ce matin, on reçoit des messages pour nous dire, mais c'est comment? On consulte nos mobile money, il n'y a rien. Alors, j'aimerais que vous puissiez quand même revenir sur cette mesure, à l'effet d'expliquer concrètement ce qui sera fait et de revenir sur les bénéficiaires de ce fonds. Aussi, au niveau de la police nationale, j'ai une question au commissaire. Déjà, je vous félicite en tant que représentant des droits de l'homme.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait concrètement pour la protection de vos hommes? C'est vrai que dans les jours précédents, on a assisté à des concerts. Après, ils sont revenus à une armée assez républicaine. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait concrètement pour leur protection, puisqu'ils veillent sur les biens et les personnes chaque soir? Merci. Un dernier intervenant. Bonsoir, messieurs, dames. Ma question s'adresse à la représentante du ministère de la Santé. Dans le cadre de la lutte du COVID-19, plusieurs start-up ont développé des applications. J'aimerais savoir est-ce que ces applications sont mises à contribution dans la lutte. Si oui, quelles sont ces applications? Merci. Messieurs les ministres, monsieur le maire, nous allons procéder aux réponses. Donc, en débutant par monsieur le maire qui a eu deux questions. Oui, monsieur, vous avez demandé. Comment se fait-il que ce soit Cocody qui soit la commune la plus touchée? Bon, il est difficile quand même de répondre à cette question. C'est la commune où il y a le plus de personnes qui voyagent, ça c'est un. Et vous devez savoir quand même que Cocody est une ville, ou du moins une commune, où tout le monde passe et repasse. Donc, tout ce que je demanderais aux administrés, aux uns aux autres, c'est de respecter les mesures barrières. J'ai eu droit à beaucoup de critiques, à beaucoup de gens qui ont parlé, et c'est pourquoi le conseil municipal et moi-même avons pris des mesures depuis le départ pour demander aux uns et aux autres, en voyant tout ce qui se passait dans le monde entier, de respecter d'abord les mesures, lavage des mains, distance, et ceux qui n'avaient rien à faire dehors, de pouvoir fermer les établissements. Mais à notre grande surprise, et c'est la vie, hein. Mais je pense que si nos administrés et tous les uns et les autres font preuve d'un peu plus de civisme, de respect des consignes, je pense que nous allons améliorer la situation au niveau de Cocody et que nous allons nous en sortir. Donc, les mesures que nous avons commencé à prendre, c'est ce que je vous ai dit, respecter les mesures barrières, continuer à sensibiliser les uns et les autres. Nous avons des caravanes qui continuent à passer dans tous les quartiers, pardon, de Cocody pour continuer à sensibiliser les uns et les autres pour les mesures données par le gouvernement, pour le lavage des mains, la distance et autres. Donc, c'est ces mesures que nous pouvons accélérer et continuer à faire. Je pense que j'ai répondu aux questions, mais par rapport au fait que Cocody, Benjavi, Ménager soit la commune la plus élevée, ben, je demanderai peut-être aux forces médicales, aux personnes du centre médical de pouvoir encore plus nous aider à sensibiliser encore mieux les administrés. Merci.
C'est la chambre des artisans. C'est eux qui siègent dans ces chambres, c'est eux qui administrent ces chambres. Et cette chambre, donc, c'est un peu le relais entre le gouvernement et les artisans. Nous avons la chance aussi d'avoir des chambres régionales partout en Côte d'Ivoire et même encore des chambres au niveau des départements, ce qui va faciliter donc pour nous le travail pour que le programme voulu par le gouvernement puisse toucher d'abord les artisans sur toute l'étendue du territoire. Un artisan qui est à Odjéné, qui a été affecté par donc, le coronavirus, l'artisan appartient à un groupe, à une organisation professionnelle des artisans, qu'on appelle un peu les OPD. Donc, il a une identité, il est connu, et c'est eux qui siègent au niveau de la chambre départementale. Donc, si il s'avère que cet artisan a été touché, parce que tous les artisans ne sont pas touchés, a été touché donc par les mesures prises par le gouvernement, il sera repéré. Ces dossiers acheminés au niveau de la Chambre régionale d'Odjéné et la Chambre régionale des métiers d'Odjéné nous fera parvenir au niveau de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire qui est ici à Abidjan et celle-ci donnera les dossiers au niveau de la direction de l'encadrement du ministère. Et comme le ministère siège au sein de ces comités de gestion des différents fonds, nous allons donc présenter ces dossiers pour validation afin que ces entreprises soient profite donc de ce fonds. Voilà le mécanisme mis en place pour pouvoir donc accompagner les artisans. Voilà la réponse que je peux donner à votre question. Merci. Monsieur le ministre de la Communication. C'est un peu ça le paradoxe, quand on a mis la communication, on ne veut pas parler, mais on te fait parler quand même. Merci quand même, nous allons essayer de donner des éléments de réponse, monsieur le ministre. Oui, la première interpellation nous venait d'un de nos collègues journalistes qui s'interrogeait sur la nature de ce format. Bon, c'est un format déjà qui est quotidien, qui est connu, c'est un rendez-vous qui est rentré dans les habitudes des journalistes, mais aussi des populations. Donc le format demeure dans ce sens que ce sont toujours les mêmes informations de sensibilisation qui visent bien sûr tenir les populations informées de la réalité de la maladie, mais surtout des dispositions à prendre et mettant bien sûr en pole position les départements les plus impliqués auxquels il faut rendre hommage, c'est-à-dire le ministère de la Santé et le ministère de la Sécurité. Nous avons tenu tout de même de façon alternative à nous déplacer, à déplacer ce format dans les territoires, dans les mairies, pour pouvoir donner l'opportunité à ces acteurs locaux qui font beaucoup de choses et dont la voix est certainement beaucoup plus audible ou bien audible au plus près des populations, leur donner l'occasion de pouvoir s'exprimer et passer des messages de sensibilisation aux populations. C'est ce qui justifie cette démarche. Et vous avez entendu le maire de Cocody qui est très enchanté de cette initiative, d'ailleurs applaudi par le président de l'UBICOSI. Et très vite, les différents maires se sont mis à notre disposition, à la disposition du gouvernement, pour pouvoir partager leurs initiatives au plus près des populations, mais surtout passer les messages aux populations, puisque généralement, ce sont les personnes qui ont été élues, ou la plupart, par les populations, donc desquelles les populations, dans lesquelles les populations se reconnaissent. Donc c'est un peu ce qui justifie ce changement de format que nous allons tester quelques temps pour voir si, avec cela, le message de sensibilisation est beaucoup plus perçu par les populations. Bien sûr, vous avez parlé du nombre de personnes. Je vous avoue que dans le format traditionnel et celui qui a été validé, c'est 10 journalistes au maximum. C'est pour cela que nous avons un système de visioconférence, et le reste des journalistes devant se retrouver de l'autre côté. Entre les journalistes autorisés et les accompagnateurs, on se retrouve dans ce format, donc veuillez nous en excuser. C'est la première fois qu'on expérimente ce dispositif à l'extérieur, ce qui peut justifier d'ailleurs la non-maîtrise des effectifs ici, mais je pense que de façon bien ordonnée, les gens sont assis
et il n'y a pas assez de risques par rapport à ce dispositif. Sur la seconde question, le Fonds national de solidarité COVID-19, oui, qui a été mis en place sur instruction du président de la République, un fonds doté d'un montant de 13,3 milliards de francs CFA, qui, dans son développement, dans sa première phase, vise à toucher près de 177 000 personnes, ménages vulnérables, 177 000 ménages vulnérables. Et ce dispositif est annoncé pour démarrer aujourd'hui. D'après les informations que j'ai, le quatrième opérateur, qui est la société Wizal, a commencé la distribution à travers son réseau pour près de 3 000 personnes ou foyers destinataires. Donc, des 25 000 francs CFA tels que annoncés par le gouvernement. Les autres opérateurs, bien sûr, auront le temps de se mettre en route aujourd'hui. Ce n'est pas une opération qui se fera en une journée. Ça se fait au fil de l'organisation de dispositifs électroniques ou techniques, ce qui permettrait en réalité aux populations de bénéficier. C'est au fil de l'eau. Le plus important, c'est que cela démarre aujourd'hui. Et soyez rassurés, tout engagement pris par l'État de Côte d'Ivoire est exécuté. Et l'État de Côte d'Ivoire travaille pour le bien-être des populations. C'est ça qui est le plus important. Il peut arriver souvent quelques ralentissements dus à des procédés uniquement administratifs, mais ce n'est pas une volonté de ralentir le processus, c'est plus pour pouvoir se rassurer que tout ce que nous mettons en place atteint les bons destinataires, les destinataires qui sont les plus méritants dans le dispositif. Je vous remercie. Docteur Kouassi. Merci. Merci. Je pense que la question, c'était le COVID et le jeûne. Même en dehors du COVID, en temps normal, il est déconseillé aux personnes malades, souffrant d'une pathologie quelconque ou vulnérable, sauf autorisation de leur médecin, de faire le jeûne. Ça, c'est en temps normal. Au moment du COVID, à ma connaissance, il n'y a pas une contre-indication formelle de ne pas faire le jeûne, étant entendu que le carême chrétien vient de finir. Et c'était en plein Covid. Nous n'avons pas eu, d'informations selon laquelle il était interdit de faire le jeûne au moment du Covid. Cependant, si les mesures barrières dont nous parlons ne sont pas respectées, la personne déjà fragilisée, parce que quand on jeûne, évidemment, on ne mange pas ou on ne boit pas, donc on est un peu faible. Et donc si avec cet état-là, cette personne sort sans son masque, n'applique pas les mesures barrières de distanciation sociale, de se laver les mains, etc., qu'en plus du fait qu'il jeûne, il contracte le virus, je pense qu'un virus qui intervient sur un terrain fragilisé va être un peu plus sévère que celui qui est en force. D'où la recommandation formelle et stricte de respecter les mesures barrières. Celui qui est malade avant le COVID ou pour X raison qu'il ne peut pas le faire, je pense qu'il est déconseillé de le faire. Mais c'est une question de foi. Donc c'est chacun qui voit ce qui a fait. Nous ne pouvons que recommander. Donc en temps de COVID ou non COVID, toute personne qui ne supporterait pas ce jeûne, nous ne lui conseillons pas de le faire. C'est ce que je peux dire concernant le jeûne et le COVID. Vous avez parlé de start-up, je pense que le ministre en a parlé. Je pense que le ministère de la Santé est ouvert. Nous voulons juste préciser qu'il s'agit de données personnelles, donc des données à sécuriser. Donc il y a un dispositif déjà qui existe. La Côte d'Ivoire ne part pas sans rien. Il y a déjà des applications qui sont développées. Quand un sujet, par exemple dans le cas de COVID, on n'est pas sûr qu'ils respectent les mesures de confinement à domicile. Ça a été le cas à certains moments. C'est parce que justement ceux qui ont droit
à qui ont des données, qui peuvent suivre par géo-référencier ou bien je ne sais pas très technique dans l'éthique, on peut voir que quelqu'un bouge beaucoup. Ces personnes-là ont été exfiltrées de chez eux pour les mettre dans un endroit où on est sûr qu'ils seront confinés. Maintenant, les spécialistes analysent les applications et voient comment ça s'intègre dans ce qui existe, comment est-ce qu'en les appliquant, on assure à la fois l'efficacité et la sécurité des données qui sont quand même des données personnelles. Ce que je peux dire en tant que profane, mais en tant que personne responsable, quelqu'un au niveau du système de santé qui connaît les risques de l'utilisation ou de la manipulation des données de santé. Donc, je pense qu'on est ouvert, le pays est ouvert à toutes les opportunités. Tout ce qui peut faire avancer la lutte, je pense qu'ils sont preneurs. Donc, on va laisser aux spécialistes de décider quelle est la solution qui est la plus appropriée pour la Côte d'Ivoire. Mon commissaire. Bien, merci. Merci. Monsieur le journaliste, vous avez voulu savoir le respect, pour ce qui est du respect des droits de l'homme, qu'en est-il sur le terrain, c'est ça? C'est pour que je sois vraiment dans, comme il y avait les échos, c'est bien ça? Il est sorti? D'accord. C'est ça? D'accord. Merci. Je voudrais déjà, au nom des forces de défense et de sécurité et de toute notre hiérarchie, vous remercier pour la reconnaissance des efforts, de nos efforts, de nos forces sur le terrain, que vous traduisez ici par les mots de félicitations. Naturellement, quand on parle de droits de l'homme, nous aussi, nous sommes souvent tentés de dire aux organisations, donc les droits de l'homme, de nous aider à ceux-là où il y a droit, il y a devoir. En toute transparence, quand ces opérations donc, ont commencé dans le cadre de la mise en œuvre des mesures du couvre-feu, c'est le 24 mars, nous avons dès la première semaine, pour rassurer Madame le secrétaire d'État aux droits de l'homme quant à nos activités de nuit comme de jour sur le terrain, nous l'avons invité à sa convenance à participer elle-même et son cabinet et tous ses collaborateurs, les organisations qu'elle voulait joindre à elle sur le terrain pour voir un peu comment se déroule une nuit de mise en œuvre des mesures du couvre-feu. Et de 22 heures ce jour-là jusqu'à 2 heures du matin, elle a été avec toutes nos forces dans le Grand Abidjan. Au sorti de cela, elle est passée à cette tribune au niveau du ministère de la Sécurité pour nous féliciter, féliciter nos forces et tous les hauts commandements. Naturellement, quand ce n'est pas transparent, par moments, ça frise des commentaires désobligeants. Mais de ce point de vue, autant que vous nous félicitez, nous avons été félicités, en tout cas en ce qui concerne les actions que nous menons sur le terrain, quant au respect des droits du citoyen interpellé ou secouru de jour comme de nuit pendant cette période. En tout cas, nous avons été félicités, mais nous continuons donc de faire l'essentiel, parce que dans tout groupe, il peut avoir quelques brebis, mais compter sur notre hiérarchie, en tout cas, pour extirper ces quelques grains, j'allais dire, heureusement peu nombreux, en tout cas, qui pourraient vous faire douter par moments du respect des droits de l'homme sur le terrain. Pour l'heure, tout se passe très bien et en tout cas, au regard des principes du droit de l'homme, nos actions sont conformes et cela est certifié par vos organisations et Madame la secrétaire d'État aux droits de l'homme. C'est ce que je voudrais vous dire. Merci. Monsieur le ministre, monsieur le maire, nous arrivons au terme de cette série de questions. Nous sommes déjà à plus d'une heure de diffusion.
Nous allons peut-être prendre une dernière série de deux questions. Et nous avons au niveau de nos journalistes en visioconférence une question de Madame Germaine Bonny de Fraternité Matin. Je ne sais pas si la régie peut nous permettre d'avoir le son ou on va lire sa question, vous voyez. Ok, merci. Mes questions s'adressent au ministre Sidiki Konaté. Il a demandé aux couturiers de s'organiser. Et quelle assurance peut-il leur donner pour que finalement les produits puissent être effectivement écoulés sur le marché? Deuxième préoccupation, il y a urgence. Et jusqu'à quand ils vont s'organiser, faire tester leurs produits avant de rentrer en production de masse et les distribuer à la population? Ça, c'est le ministère de l'artisanat. Maintenant, au ministère de la Santé, docteur Bénédicte Kouassi, je veux savoir à quand les résultats des tests faits sur les médicaments de la médecine traditionnelle, ceux que le chef de l'État a appelé à associer à la lutte contre la pandémie. Ils ont donné des recettes qui devaient être testées pour efficacité ou non. À quand on aura les résultats? Parce que là aussi, il y a urgence à agir. Merci beaucoup. Merci, Madame Germaine Bonny. Un dernier intervenant dans la salle avant de passer aux réponses. S'il n'y en a pas, on va directement passer aux réponses. Monsieur le ministre, il y en a? Ok, au fond. Bonsoir à tous. J'aimerais m'adresser au représentant du ministre de la Santé. C'est plutôt une préoccupation que j'ai. J'ai un parent qui, depuis quelques jours, a ce qu'on pourrait appeler quelques signes cliniques, toux, fièvre et puis perte d'appétit. Et samedi, elle est allée à Saint-Jean pour faire son diagnostic, son test. On lui a dit qu'on lui donnait les résultats dans les 48 heures. Aujourd'hui, je calcule, ça fait 144 heures qu'elle attend. Aucun coup de téléphone, aucune information. Alors, je souhaite que ce soit vraiment négatif, mais en admettant que ce soit un cas positif, vous comprendrez qu'elle aura eu le temps de contaminer peut-être certaines personnes. Et donc, j'aimerais attirer l'attention du ministre de la Santé à travers lui, sa représentante, pour que des mesures soient prises pour éviter que les cas ne s'amplifient. Parce que tout à l'heure, le maire de Cocody a été interpellé par rapport au nombre de cas positifs à Cocody. Alors si c'est comme ça que sont traités, il est tout à fait évident que des cas se multiplient. Donc, monsieur le ministre de la Santé a été interpellé sur mon intervention. Merci. Merci. Monsieur le ministre de l'Artisanat. Bon, on me demande de me présenter. Je suis Assemi Armel. Voilà. Je suis conseiller municipal à Cocody. D'accord. La deuxième question, je n'ai pas bien capté. Donc, si elle peut juste me rappeler la deuxième question, parce que les échos ne m'ont pas permis. Sinon, ce qui concerne les assurances, comme je l'ai dit, ce n'est pas un processus qui est compliqué. Vous avez vu déjà que sans attendre l'État, certains couturiers ont commencé à faire des masques. Bon, on est tous dans les quartiers, dans les communes. Le couturier, la couturière du quartier a fait. Et puis bon, c'est ce que les gens utilisent, généralement. Donc, le tout pour nous, en tant qu'institution qui parle au nom de ces artisans, c'est de les amener aussi à placer sur le marché des produits de qualité. Donc, c'est notre devoir. Ce n'est pas des habits simples qu'on va coudre. Sinon, pour ça, chacun va chez son tailleur. Mais là, il s'agit de fabriquer un produit qui rentre en ligne de compte d'un combat sanitaire. Donc, il y a des normes. C'est pour ça, pour éviter
qu'on soit seul, même d'abord pour la crédibilité, parce que demain, si l'État envoie des masques, ou bien qu'on a une production massive de masques, je pense qu'à un moment donné, il faut s'assurer que ces masques sont de qualité, parce que c'est des masques qu'on porte pour lutter contre la propagation du virus. Donc, à un moment donné, s'il y a des faux masques ou des masques qui laissent passer la maladie, je pense que ça peut même être même pénalement, hein, pénalement, ça peut créer des problèmes à ceux qui font ces masques. Donc d'abord pour leur travail, je demande qu'ils s'organisent. Dans les villes, les couturiers se connaissent. Ou bien c'est pas tous les couturiers aussi qui font ça. Ceux qui ont décidé, moi je prends une ville comme moi, j'ai un jeune qui m'a appelé, qui voulait faire donc des masques. Ses amis ont reconnu qu'il a au moins du matériel. Ils se sont mis ensemble. Bon, moi, en tant qu'un élu local, ça, j'utilise un peu mon propre élu local, j'ai donné un peu ma contribution. Mais le tout n'est pas de faire. Le tout, c'est de s'assurer que ce qui est fait répond aux normes de sécurité. Et comme nous passons à une phase qui va rendre obligatoire le port du masque, et que nous voulons aussi que, au niveau local, comme ça a été fait dans tous les pays du monde, que ce soit en France ou partout, on appelle aujourd'hui les locaux à produire des masques. Et les artisans eux-mêmes veulent jouer cette partition. Je donne un exemple. Moi, j'étais un jour au bureau. J'ai l'association des stylistes, hein, c'est leur nom, l'association des stylistes, les Gilles Touré et autres. Hein, c'est l'association des créateurs de mode de Côte d'Ivoire. Gilles Touré, Sissin Moïse et bien d'autres, la présidente Druid, ils sont passés me voir avec un produit. Ils disent, monsieur le ministre, nous ne voulons pas laisser le gouvernement seul. Nous sommes là, nous prenons nos responsabilités. Voilà nos masques. Bon, j'ai dit, c'est très bien. Et ils m'ont même dit que nous sommes passés déjà au ministère, je crois, de la Santé, qui a un service pour homologuer. Parce que le masque, il y a des produits qui rentrent en ligne de compte. Je pense que ceux qui le font même à main, on te dit qu'il faut mettre tel produit, des filtres et autres. Donc, ça a été homologué. Celui qui a déjà donc son produit, on va homologuer, quand c'est Codinorme ou quelque chose comme ça, ils vont homologuer que bon, ton masque répond à la qualité d'un masque sanitaire. À partir de ce moment, tu vas faire ta production. Mais ici, ce qui est intéressant, nous voulons prendre une part de marché pour les artisans. Parce qu'il ne faut pas oublier l'aspect aussi de faire redémarrer notre économie. C'est pour ça que je demande aux artisans qui le font de se mettre ensemble, de monter un dossier que le ministère est prêt à faciliter pour acheminer maintenant leur dossier auprès du gouvernement qui va intégrer donc cela dans les achats de masques qui vont se faire. C'est simple. C'est une part de marché à récupérer, mais déjà il faut faire le travail préliminaire qui est d'avoir l'autorisation de fabriquer un masque qui soit d'un standard irréprochable. Donc la démarche, elle est tout simple et il n'y a pas, les artisans savent que c'est faisable. Déjà, j'ai des prototypes de masques avec moi au ministère. J'ai déjà écrit au ministre du Commerce et autres pour que déjà on puisse prendre en compte ces masques. Et je veux que ça soit aussi quelque chose qui se fasse au niveau national, pas seulement au niveau d'Abidjan, parce que à Boaké ou à Boisflay, vous verrez bien que les populations aussi veulent porter demain des masques. Donc nous voulons mettre à contribution tous ces couturiers locaux. Maintenant, il n'y a pas, je pense que la question c'était une question de temps. Il n'y a pas de temps, en réalité. Le délai. Non, il n'y a pas de délai. Ça a déjà commencé même. C'est-à-dire que si vous êtes un couturier dans une commune, que vous connaissez un autre qui veut faire des masques, vous vous mettez ensemble. Il y a la chambre des métiers dans votre commune. Les artisans savent. Vous y allez ou vous venez au ministère, à la direction de l'encadrement, avec votre prototype de masque. Nous, on fait un courrier, on vous fait accompagner à la direction donc, qui donne les normes. Ils vont regarder pour voir si votre produit contient ce qu'il faut pour être homologué. C'est des choses qui ne prennent pas du temps. Et après, du moins, vous êtes homologué, vous faites la production. Dans cette affaire, il y a deux choses. Si vous produisez que votre produit est homologué, vous pouvez même vendre directement sur le marché. Parce que la population paye les masques. Ils payent les masques, ils vont à la pharmacie, ils payent. Si demain ils se disent que tel couturier produit des masques qui sont homologués, et surtout que les masques que nos artisans nous proposent, c'est des masques lavables. Et ça, j'ai trouvé ça ingénieux, ce que l'association des créateurs de mode m'a proposé.
C'est des masques, quand on finit, on lave et on reporte, ce qui est pratique pour nous dans notre réalité au quotidien. Donc, vous verrez que les populations iront payer ces masques, ça je ne vois pas. Mais l'État aussi prendra sa part, ça je vous le dis, c'est en tant que représentant de l'État que je parle ici. Donc, il n'y a pas de garantie à donner plus. La garantie, déjà, c'est le représentant des artisans qui est ici. C'est le représentant du gouvernement pour les artisans qui est ici, qui dit qu'il y a une aubaine, il y a une opportunité à saisir. Et les artisans sont aussi dans cette même dynamique pour pouvoir prendre leur part de marché, comme ça se fait dans tous les pays. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre Sidiki Konaté. Madame Edith Kouassi, pour la dernière intervention avant de clore cette conférence de presse. Merci. À quand les tests, la fin des tests pour la médecine traditionnelle et les médicaments de la pharmacopée africaine? Ce que je puis dire, c'est que régulièrement, le directeur coordonnateur du programme national de la médecine traditionnelle est en contact avec le monde de la médecine traditionnelle. Début d'après-midi, je veux dire, avant de venir ici, ils étaient au ministère de la Santé pour rencontrer le directeur de cabinet. Je pense que ça avance bien, mais je ne voudrais pas donner de date puisqu'il s'agit de tests au laboratoire et puis revenir. Donc, je ne peux pas m'aventurer tant que je n'ai pas les informations concrètes. Mais ce qui est sûr, la collaboration avec le monde de la médecine traditionnelle, elle est là et elle avance bien. Donc, on aura un peu plus d'informations. On vous les communiquera. La préoccupation de celui qui a dit que son parent a été dépisté il y a 6 jours, 144, j'essaie de calculer un peu, ça fait 6 jours à peu près. Normalement, quand le test est fait chez les sujets, c'est entre 24 et 72 heures qu'ils ont le résultat, puisque je vous ai dit tantôt, dans le circuit du malade, enfin du suspect, une fois que ça a été prélevé, les échantillons sont acheminés à l'Institut national des jeunes publics, qui lui est chargé de collecter les prélèvements et de les acheminer à l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire pour analyse. Et au bout de, normalement aussi, 24 heures, on a ce résultat, puisqu'il y a une moyenne de 6 heures pour traiter les échantillons. Et le médecin prescripteur du test se charge d'informer le malade de son statut. C'est possible. On vous dit que normalement c'est la moyenne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne saurais peut-être répondre, mais je prends bien note de ce qu'il y a quelque chose à faire. Cependant, le gouvernement s'active à renforcer les capacités de dépistage. L'objectif étant de 1500 tests par jour, ce qui a été dit. Donc, les réactifs ont été commandés. N'oublions pas que la plupart des réactifs ne sont pas produits, pour ne pas dire qu'ils ne sont pas produits en Côte d'Ivoire, et qu'ils viennent de l'extérieur, et que c'est une pandémie. Et donc, tout le monde entier a les mêmes préoccupations, a les mêmes besoins, dans le temps de les acquérir. Et donc, même la décentralisation est prévue. Renforcer les capacités de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire pour faire un peu plus de tests dans le temps, pour que le rendu des résultats soit amélioré, mais également d'autres laboratoires verront leurs capacités renforcées, notamment Retrossi et Cédres à Abidjan, par exemple, et à l'intérieur du pays, le CHU de Boaké, son laboratoire, et bien d'autres. Donc, le gouvernement est conscient qu'au début de la lutte en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas tout le dispositif nécessaire pour la prise en charge adéquate, raison pour laquelle un plan national de riposte a été fait, et pour le plus de près de 95 milliards de nos francs CFA et les médicaments comme les intrants stratégiques, les réactifs de laboratoire sont commandés et au fur et à mesure tout se met en place. Donc ça peut être dans les moments
Au début, même le prélèvement se faisait et acheminé à l'Institut Pasteur de Paris avant que l'IPCI ne puisse faire disposer de ces tests en Côte d'Ivoire. Donc, je voudrais mettre ça sur le compte de ça. Ça peut arriver. Sinon, la moyenne, ce n'est pas ça. Donc, on va peut-être vous me donner le contact de la personne pour que je vois aussi à ce qui s'est passé. Est-ce qu'ils ont appelé et n'a pas pu répondre? Est-ce qu'ils ont envoyé par mail? Parce que toutes les voies de communication sont utilisées pour donner l'information aux patients. Néanmoins, même si le test, le résultat n'est pas apparu dans le temps et que la personne qui est fortement suspecte de COVID, vu les signes que vous décrivez, prend les mesures barrières, c'est-à-dire encore plus que les autres, met le masque avant de sortir pour protéger son environnement immédiat, ses parents, lave ses mains régulièrement à l'eau et au savon, tous dans le pli du coude, a une bonne hygiène corporelle et de l'environnement immédiat, les risques de propagation déjà est limité. C'est pour ça que nous mettons l'accent sur la prise en compte des mesures barrières, vu notre contexte, qui est une mesure préventive qui nous empêche de propager la maladie, de le confiner là où il se trouve. Donc, c'est ce que je pourrais dire à ce niveau. Le gouvernement travaille. C'est beaucoup de milliards qui sont en jeu, mais malheureusement, on ne produit pas tout ici. Donc, il y a un temps de commande, un temps à ce que le dispositif arrive, de réceptionner et le mettre à disposition pour que la prise en charge soit adéquate au niveau de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je peux dire à ce niveau? Merci, Madame Kouassi. Messieurs les ministres, Monsieur le maire de Cocody, Monsieur Jean-Marc Yassé, qui nous accueille ce jour, nous arrivons au terme de cette conférence de presse sur le Covid-19 qui, pour les circonstances, s'est déplacé au sein de l'hôtel communal de Cocody, comme on l'a dit tantôt, à l'effet d'être plus proche de nos populations. Pour le mot de fin, nous allons céder la parole à Monsieur Sidi Timoko Touré, qui n'a pas de mot de fin. Je pense que tout a été dit. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous.